Bonsoir tout le monde, nous sommes à Madrid, installés dans les tribunes du Bernabéu. Et pour vous faire vivre ce match, évidemment, il y a Omar Da Fonseca avec le qui est toujours fidèle au poste. Et ce rendez-vous très important dans cette compétition, avec cette demi-finale retour, le Real Madrid contre Liverpool. Aujourd'hui, avantage pour le Real qui reste sur un bon match, allez. On se souvient, audace, prise de risque, illusion. Le match était magnifique et le résultat aussi. Côté Real Madrid, dans le but c'est Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger avec Eder Militao en défense centrale, Luka Modric sera accompagné de Toni Kroos au milieu et enfin devant on retrouve Karim Benzema. Le coup d'envoi de cette rencontre donné à l'instant par le Real Madrid. Rüdiger. Militao. Valverde. Le ballon pour Toni Kroos. Rüdiger. Carvajal hérite de la balle. Dani Carvajal. Camavinga. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Militao. Toni Kroos. Valverde. Le ballon pour Benzema. À nouveau pour Benzema. Alors l'arbitre siffle la faute et attention quand même au carton. Et déjà un premier carton jaune reçu dès les premières minutes du match. Un peu tôt pour se retrouver à jouer avec le frein à main. C'est maîtrisé sans trop de difficultés ce coup franc. Ah, il y a une faute là, il y a un coup franc pour le Real Madrid. Ça sort, c'est un renvoi aux 6 mètres. Jota. Robertson sur ce ballon. Fabinho. Fabinho avec le ballon.
et ça joue sur Diogo Jota. Oui, le centre dans la surface. Voilà, parade incroyable, Thibaut Courtois. C'est contré par Rudiger. Diogo Jota avec le ballon. Et un mauvais centre dans les bras du gardien. Camavinga. Kroos avec Karim Benzema. Ouais, ça joue avec Eduardo Camavinga. Dani Carvajal reçoit le ballon. À la réception, Eder Militao. Militao. Le ballon pour Carvajal. Fede Valverde avec le ballon. Et une passe dangereuse, mais trajectoire bien coupée. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. L'interception de Valverde. Et le ballon finit sa course dans les bras du gardien, aucun souci. Virgil van Dijk. Diogo Jota. Darwin. Eh oui, le ballon dans leurs pieds. Alexander Arnold. Milner. À la réception, Darwin Núñez. Ouais, c'est intercepté. Liverpool qui perd le ballon. Fede Valverde. Eder Militao reçoit le ballon. Dani Carvajal. Et oui, il est récupéré ce ballon. Ah, il y a une faute là et un coup franc pour Liverpool. Le ballon pour Mohamed Salah. Mo Salah et ballon perdu. Hors jeu de peu. Carvajal. Ah, il faut s'appliquer sur la passe, c'est perdu. Allez, l'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. Et ce ballon par-dessus pour Karim Benzema. Raté, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura au moins une belle photo de ce retourné acrobatique. Mais la mauvaise, c'est que ça passe très loin de but et il va falloir prévoir quelles questions se décliner. Le tir lointain, facile dans les bras du gardien. Milner. Robertson sur ce ballon. Milner. Le ballon sur Mohamed Salah. Mais non, la perte de balle de Salah.
et ça joue sur Diogo Jota. Ouais, très bien défendu. Il y a une faute là, il y a un coup franc pour le Real Madrid. Nacho. Ballon pour Modric. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Le ballon pour Benzema. Ça joue avec Eduardo Camavinga. Ah ouais, quel beau geste défensif. Excellent timing. Et ça y est, l'arbitre siffle la mi-temps à l'instant au Santiago Bernabéu. Le retour des vestiaires et ce ballon pour Liverpool. Et l'interception, le ballon perdu par Liverpool. Excellente intervention, ça sort en touche. Darwin Núñez. Cody Gakpo avec le ballon. Ouais, cette offensive n'ira pas plus loin, le ballon est perdu. Et ça joue sur Diogo Jota. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Ballon dévié et l'arbitre indique le corner. Allez, bien frappé ce corner. Allez, l'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. Oh, le très mauvais tacle et attention derrière parce que ça peut lui valoir un carton. Et il n'y a rien qui va sur cette intervention. Le carton rouge est amplement mérité. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on puisse même avoir l'idée de faire ça.
Milner. Et ça joue sur Diogo Jota. Cody Gakpo avec le ballon. Ouais, il s'est bien défendu. Le centre est repoussé. Ballon sorti. Renvoie au 6 mètres. Et le Real Madrid qui va faire un changement. Eder Militao. Carvajal hérite de la balle. Toni Kroos. Kroos. Et c'est intercepté, la perte de balle du Real Madrid. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Et oui, il revient à la charge là, il finit par récupérer ce ballon. Allez, devant le but, il faut frapper. Et c'est au fond, les filets tremblent. Voilà comment bien s'installer dans une rencontre. C'est la meilleure physionomie possible. Pour moi, le ballon, il doit aller en retrait sur cette action. Mais là, on ne comprend pas trop son choix. Lui non plus, d'ailleurs. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Eder Militao. C'est pour Rudiger. Mais c'est intercepté, le ballon perdu par le Real Madrid. Ah, il y a une faute là, il y a un coup franc pour le Real Madrid. Ballon pour Carvajal. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Qu'est-ce que c'est bien défendu! Face à face avec le gardien. Ah, c'est incroyable, le plus dur était fait, mais le ballon passe loin des buts. Loin contre un était pourtant bien joué, mais ensuite, incroyable. Diogo Jota. Rodrigo. Ballon sur Milner. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Naby Keïta. Oh, il peut frapper Diogo Jota. Et finalement, aucun problème là pour le gardien. Benzema. Eh non, ballon perdu par Karim Benzema. Milner. Peut-être un bon mouvement offensif pour Liverpool. Et c'est récupéré pour la défense, ça va pouvoir se relancer. Militao. C'est pour Rudiger. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. C'est intercepté. Le ballon perdu par le Real.
Allez, l'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. Un changement du côté du Real Madrid. Et voilà une frappe à vite oubliée. Frapper fort, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour marquer le but. Il faut que la cage accueille ta frappe. Rodrigo avec le ballon, bon placement entre les lignes, ballon récupéré, c'est un ballon de contre à jouer, une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Fernand Mendy en bonne position, la contre-attaque est très bien menée, mais comme souvent, ça échoue pour pas grand-chose. Tout était bien joué dans cette séquence. Là, le ballon pour Naby Keïta. Mo Salah. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et peut-être un bon contre à négocier là. Il faut tenter sa chance. Le ballon écarté de la zone dangereuse. Diogo Jota. Attention à cette passe. L'idée était bonne, mais la finition beaucoup. Il va falloir rapidement se relancer pour recoller au score. Le pressing sur Ferland Mendy. C'est terminé et donc on en reste là, direction la finale pour le Real Madrid. C'est une qualification dans la douleur avec cette défaite. Heureusement que leur performance à l'aller leur avait donné de la marge. Attention maintenant à bien travailler sur ce qui s'est passé dans ce match au retour et ne pas se laisser piéger à nouveau en finale.